instant, la déclaration d'Alain Juppé, tout de suite. Monsieur Juppé. Monsieur Juppé, nous vous écoutons. Vous êtes sur France 2, en direct de Bordeaux. Merci. La dissolution décidée par le président de la République a donné la parole au peuple français. Celui-ci s'est prononcé. Sa décision est souveraine. Nous la respectons tous. Je souhaite bonne chance à ceux qui vont maintenant gouverner la France. Et je souhaite bonne chance à la France. Depuis 4 ans, grâce aux efforts de tous les Français, nous avons accompli un travail en profondeur pour moderniser notre pays et le préparer à bien entrer dans le XXIe siècle. Nous avons lancé d'importantes réformes qui porteront leurs fruits tout au long des mois et des années qui viennent. Malgré les premiers résultats déjà obtenus, nous n'avons pas su convaincre les Français que nous allions dans la bonne direction. Il nous faut maintenant analyser les raisons de cet échec et en tirer toutes les conséquences. Il nous faut entamer la reconstruction d'une force politique capable de porter les idées auxquelles croient des millions de nos compatriotes. L'idée de liberté d'initiative, source de croissance et d'emploi, l'idée de solidarité et de partage, ciment du pacte républicain, l'ambition d'une Europe unie où la France défende bien ses intérêts essentiels et sa personnalité. Je continuerai, à ma place, à soutenir avec détermination l'action du président de la République en vue de bâtir la France pour tous. Monsieur Juppé, vous m'entendez? Monsieur Juppé? Bien visible, monsieur Juppé.